Ah oui, alors là, cette orange-là, on m'a dit que c'était une orange qui venait de la Cécile. Donc voilà, petite ceinture, pur cuir. Donc voilà, de la vraie cuir. Donc fuck à tous les... c'est pas les vegans, c'est quoi? C'est les végétaliens. Tous les végétaliens, des grands coups de ceinture comme ça. Hein. Du coup, déjà, on va commencer par le cadeau que je me suis fait. Donc moi, je me suis fait quoi comme cadeau? Pour ceux qui viennent rester sur le stream, moi je me suis acheté cette manette Xbox parce qu'on a eu 300 subs, vous voyez juste ici, donc merci à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne. Et du coup, je vais jouer une manette, donc j'ai choisi soit manette PS4, soit manette Xbox. J'ai pris Xbox, parce qu'elle est plus belle je trouve, et parce que j'avais des grandes mains. Mais en vrai, PS4 honnêtement, pour les grandes mains ça va aussi, mais... En fait, le problème les gars, c'est qu'à la caméra, quand je joue, parce que du coup je fais la facecam comme ça, enfin la handcam plutôt, et elles étaient noires, voire bleues. Et du coup, vous voyez, à l'écran, ça se voyait pas trop, et j'avais envie qu'on voit jouer en fait. Et vous voyez, même si je suis pas trop incliné, vous arrivez bien à voir la manette ce que je fais. Alors quand elle est noire, bah, elle reflète pas la lumière, vous voyez pas, donc c'est pour ça que j'ai pris Xbox. Et franchement, il y a le Bluetooth et tout, tu vois, c'est sympa. Donc ça, c'est le cadeau que ma mère m'a fait. Oh là là, là et là, je le voulais ça les gars, vous en avez déjà parlé en live. En plus, c'était une donation de gold, mais... Du coup, bah, donation de gold, c'est ma mère qui l'a fait, le donation de gold. Et c'était... Alors là, c'est assez gros. Attends, on va passer ça. Ah, vous allez voir. Hein. Ah là là. Ah les gars, je vais vous faire des live cuisine incroyables. Ah là, je vais vous faire des live cuisine aux petits oignons. Il y a plein de cadeaux, hein, ne partez pas sur... Ah, vous allez voir. Ah, c'est pas... Ah non, mais vous ne connaissez pas ça, les gars. C'est incroyable. Franchement, je suis pas payé. Et d'ailleurs, la saturation est hyper élevée sur cette caméra, je vais l'enlever. Et c'est trop bien parce que vous allez voir, il n'y a pas que ça dans le carton que j'ai, il y a encore d'autres trucs qui vont avec, vous allez comprendre. Donc en gros, je ne l'ai même pas ouvert. Hein, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un truc où, là, vous voyez, vous pouvez faire plusieurs choses, quoi. Donc vous avez genre truc pour les gaufres, truc pour les croque-monsieur, truc pour les tacos. Et vous pouvez les laver, ça se détache. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et l'avantage, c'est qu'il y a deux trucs séparés qui sont dans un autre truc séparé. Bref, il y a beaucoup de trucs, je vais vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple quand je vais vous montrer. Donc là, je vais l'ouvrir pour vous. Là, par exemple, vous voyez, c'est les gaufres, c'est les plaquettes de gaufres qui sont mises. Donc si tu veux faire des gaufres, idéal pour faire des gaufres. Donc c'est-à-dire que là, donc tu dois pouvoir enlever, je sais pas comment, mais tu peux enlever les plaques pour mettre autre chose. Attends, ça doit bien s'enlever. Ah voilà. Très simple, regardez, ça s'enlève, voilà, tout simplement, c'est tout ça. Et ça, tu peux le mettre au lave-vaisselle, tu vois. Trop bien. Je vais vous montrer, les gars. Non, franchement, quand je vais vous montrer ça, je suis pas sponsor, vous allez l'acheter. Genre, vous allez l'acheter, c'est trop bien. Donc là, t'as les boîtes, par exemple, pour ranger les plaques une fois que tu les as lavées. Par exemple, ça, c'est pour les gaufres, vous voyez, gaufres, tu peux, c'est une plaque, comme ça. Donc là, par exemple, c'est une autre boîte pour ça. Vas-y, faut vraiment que j'aille là. Nickel. Donc là, par exemple, tu veux faire des petits croque-monsieur type coquillage pour des sensations incroyables? Pas de problème. Donc, tac. Et là, mon pote, là, t'as ça, du coup. Et donc, t'as juste à le clipser. Et ça te fait, donc, les croque-monsieur, tu mets des croque-monsieur. Hyper bien! Que demander de mieux? Donc là, tac, boum, clac. J'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Un truc pour les tacos. Avec le petit livre, bon, pour les tacos, vous voyez. Et donc là, pouf. Donc vous avez des coffrets comme ça, vous avez des coffrets et en mode, bah, pareil comme tout à l'heure, bah, vous avez le truc pour tacos et quand vous fermez, bah, ça fait un grill à tacos, quoi. L'inconvénient, c'est que tu peux pas faire déborder le tacos, quoi. Donc faut que le tacos, bah, il soit de cette taille, quoi. C'est pour les crêpes, bah, bien évidemment. Et là, vous pouvez faire des crêpes. Donc les crêpes, je comprends pas pourquoi ils en ont mis deux, par contre. Parce que les crêpes, tu les fermes, tu vas... Ah ouais, peut-être tu les fermes. Ouais, ils doivent les fermer. Par contre, les crêpes, j'avoue, c'est un petit peu bizarre. Moi, j'aurais juste fait en dessous. En fait, j'aurais juste mis un en dessous et j'aurais tourné, quoi. Mais ouais. Donc, tu peux faire des crêpes aussi. Donc, Et ça, ce qui est pas mal, vous voyez, c'est en forme de coffret comme ça. Vous voyez, c'est des coffrets. Donc, c'est sympa. Donc, franchement, donnez une note sur 10. Donnez une note sur 10. Est-ce que ça vous a donné envie de l'offrir à votre daronne? Si jamais, bah. Vous voulez offrir un truc, vous trouvez ça bien ou pas bien? C'est cool en vrai. Hein, c'est fun, hein. Franchement, c'est bien, hein. Ah, les autres cadeaux. Alors, les autres cadeaux, pas. Les autres, autant tu vois ce cadeau là, tout le monde peut l'avoir. Autant les autres cadeaux, les gars, c'est des cadeaux. Donc, déjà, il y a le cadeau. Devinez quoi, les gars? Ma ceinture pure cuir que j'ai commandé. Bon. Pour fouter la petite femme. Non, non, en vrai, ceinture pure cuir que j'avais commandé. Donc, donc voilà, petite ceinture pure cuir. Donc voilà, de la vraie cuir. Donc fuck à tous les... c'est pas les vegans, c'est quoi? C'est les végétaliens.
Tous les végétaliens, des grands coups de ceinture comme ça. Hein. Du coup, voilà, une très belle ceinture qui me va à merveille. Et... Végétalien, c'est que pour la bouffe? Ah ouais? Non, végétalien, je crois que c'est tout ce qui est d'origine animale, genre tout. Hein. Je crois, hein. Là, j'ai eu un cadeau très spécial, là, que personne n'a jamais eu. Alors, je vous laisse deviner ce que c'est, celui qui arrive à trouver. Ah, oh, j'ai envie de lui offrir un sub. Ah, oh, j'ai presque envie de lui offrir un sub, mais je lui offrirai pas parce que je suis pauvre. Déjà, bien évidemment, les gars, ça c'est la... Ça, 5 boxeurs, les gars, hein, pour un maximum de... Si avec ça, je fais pas des bons streams, les gars. Si avec ça, je fais pas des bons streams, putain. Regardez comment je vais être confortable et vous faire des bons streams, sa mère. Ah, ça c'est mamie qui régale, hein. Ça, c'est mamie qui régale, hein. Ensuite, mamie, qu'est-ce qu'elle nous a offert, mamie? Des magnifiques torchons, les potes. Qui a des torchons comme ça chez personne, il y a que moi. Regardez-moi ça, des beaux petits torchons pour m'essuyer les mains après avoir mangé des repas équilibrés que j'aurais fait avec ma machine. Ensuite, un deuxième torchon. Ensuite, un torchon à la vaisselle. Ensuite, des chaussettes, parce que les gars, c'est important d'avoir des chaussettes. Je sais pas, un chiffon magique, un chiffon magique, les gars. Et encore des chaussettes. Voilà, moi. Et ça, c'est un bon cadeau. En vrai, moi, je suis content. Vous savez que je suis content d'avoir ça, vraiment. Parce que c'est des cadeaux qui servent. Et c'est pas fini, parce que les gars, qu'est-ce qui manque? Devinez qu'est-ce qui manque avec tout ça. Il manque un truc. Vous vous dites un truc logique qui va avec ça. Un truc logique. Les gars, la lessive. Bah oui, les potes. Et ça, c'est un cadeau, mon pote. Je suis trop content de l'avoir eu, hein. Vraiment. Hein. Je suis content. Bah, c'est trop bien, ça, les gars, comme cadeau. Mais c'est trop bien, vous rendez pas compte, hein. Et c'est trop bien, moi je suis content d'avoir ça. À Noël, les gars, moi j'ai ça, je suis content. Hein. Moi, et franchement, ma mamie, elle m'a offert un cadeau, les gars. Elle m'a offert ça, ma mamie. Je suis trop content. Elle m'a pas offert que ça. Elle m'a offert un autre truc, je vous montrerai après. Les gars, moi je suis trop content d'avoir eu ça, hein, franchement. MDR, c'est éclaté, putain de merde. Bah non, mec, c'est trop bien. Genre, c'est des trucs qui vont te servir, en fait. Tu vois, à Noël, il y a plein de gens qui ont des cadeaux, mec. C'est claqué, mon pote. Genre, ça sert à rien, tu vois. Moi, j'ai commandé que les cadeaux qui me servent. Ma ceinture, ça va me servir. Ça, ça va me servir. Ça, ça va me servir. Tu vois, tout va me servir. Et je trouve ça cool, quoi. Trop bien, les gars. Non, mais c'est normal, vous avez tous 14 piges. Vous voulez des Transformers, les gars. Vous voulez des Toupie Blade et des Transformers. Forcément, pour vous, c'est de la merde. Ma mamie, elle m'a donné ça aussi. Bon, ça, elle me l'a donné, mais pas vraiment en cadeau de Noël. Des petites oreillettes Enaf, les gars. Petites oreillettes Enaf. Deux, bien évidemment. Hein. Toujours accompagné. Hein. Ensuite, du miel, parce que j'adore le miel. Hein. J'adore lécher le cul des abeilles. Moi, c'est un truc. J'adore ça. Du miel de montagne, bien évidemment. Ce que j'aime bien, moi. Alors. 6 euros quoi? 6 euros le. Alors là, mon pote, tu trouves moins 6. Donc j'ai eu ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pas vraiment le miel. C'est pas des. Si, c'est des raviolis ou pas? Ah ouais, c'est. Oh, des raviolis. Pouah, j'adore ça en plus. Du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est pas vraiment le miel, c'est les brèches de miel. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent. En gros, c'est le miel, mais avec les alvéoles. C'est trop trop bon ça. Du coup, deux boîtes de raviolis. Suivi. Ah, j'adore ça. Ah, j'adore. Figues, abricots secs, oh, je suis un petit fanboy de ça. Donc des abricots moelleux, bien évidemment, pour un maximum de plaisir. Donc voilà, et après, alors ça j'adore moi aussi. J'aime bien, mais c'est très cher, du coup j'en achète pas et j'en mange pas souvent. C'est les gnocchi, c'est trop bon. J'adore les gnocchi, mais ça coûte un smic et ça remplit pas la faim, mais c'est cool. Voilà, mais c'est trop bien, mais... Non, pas les raviolis en boîte. Bah en vrai, je m'en bats les couilles. J'ai une baguette de pain à 1,10€. 1,10€. C'est pas rien. Des madeleines, parce que ma mamie s'appelle Madeleine, du coup. Ah, des petites madeleines, non, c'est du 4 quarts, mais moi j'appelle ça des madeleines, du coup. Elle s'appelle Madeleine, ma mamie. Donc voilà, des madeleines. Du jambon. Ah, du bon petit jambon, sa mère. Oh, ça c'est bon, ça. Du petit florimichon. Et une clémentine. Oh, c'est quoi ça? Ça, on ouvrira après ça. Oh là là. Des knacki. En fait, moi, j'ai quand on m'offre quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Donc, c'est pour ça que... Je sais pas ce que c'est. On va voir. Hein. Ah oui, alors là, cette orange-là, on m'a dit que c'était une orange qui venait de la Cécile. C'est ma tante qui me l'a offert. C'est une orange qui vient de Cécile. Et elles sont incroyablement bonnes et remplies de vitamines. Comme ça, pour faire des streams très, très... Vous êtes jaloux, les gars. C'est du troll, c'est des courses. Là, non, vraiment, c'est pas mes courses.
De Cécile, bah oui. Clémentine ou mandarine. Clémentine ou team clémentine ou team mandarine. Moi j'appelle ça des mandarines personnellement. Mais parce que c'est. Je ne sais pas. Alors, surprise. Oh, attends, ça se mange pas tout de suite, ça. Je crois que ça se mange pas tout de suite, ça, non plus. Bon, pas tout de suite, ça, non plus. C'était course, pas tes cadeaux. La vie de ma mère, c'est... Enfin, ça, c'est pas vraiment mes cadeaux, mais c'est les restes du repas, quoi. Donc là, j'ai eu... Ah, du poulet, là. Ah non, ça, c'était de la dinde, ça. Mmh. Oh, c'est... Oh, la dinde bien sèche, là. C'est genre... C'est bien sèche, comme. C'est... C'était tout. J'ai eu... Oh, j'adore ça. Oh, j'adore ça. Oh, c'est... Ça m'éveille. Ah, c'est, fantasme... c'est un fantasme gustatif. Du bon chèvre. Regarde, du bon chèvre comme ça, là. Ah, du bon chèvre bien coulant, là. Mmh. Mmh. Trop bon. En plus, elle joue pas comme ça, là. Ah, oh, du bon pain. Ça s'appelle du morbi, alors. Est-ce que vous savez pourquoi il y a cette cendre au milieu, les gars? Est-ce que vous savez pourquoi il y a cette cendre, là, au milieu? Est-ce que vous le savez, ça? T'as un couteau comme ça, si jamais ma voisine arrive? Pouf. Hop là, dans la poitrine, pas de preuve. C'est pour la voisine? Ah ouais, vous savez pas? C'est que ça, en fait, ça s'appelle du morbier, c'est un grand fromage. Et en fait, c'était tellement un grand fromage que, vu qu'avant ils avaient des petites exploitations agricoles, tu vois, et ben ils pouvaient pas faire ce grand fromage d'une fois. Du coup, ils faisaient un fromage le matin, genre une journée. Et le lendemain, en fait, la veille, ils mettaient de la cendre, en fait, de la cendre. C'est pas la cendre alimentaire, un truc comme ça, pour protéger. Et le lendemain, ils refaisaient, du coup, une traite, etc. Et ils remettaient le fromage, du coup. Ça, en fait, c'était, genre, par exemple, c'était la traite du matin et la traite du soir, vous voyez. Ou genre, la traite de hier et la traite d'aujourd'hui. Et du coup, c'était pour ça qu'ils se séparaient, pour protéger, en fait. Mmh. Appelle-moi dit, hein. Mais c'est trop bon, moi, j'adore le fromage, hein. Mmh. Mmh, c'est trop bon. Ah, moi, j'adore le fromage, hein. Bref, moi, je suis content. Moi, c'est ce qui... moi, tu vois, c'est ça qui me fait plaisir. Moi, tu vois, le Noël que j'ai eu, moi, ça, là, tous les cadeaux que j'ai eu, c'est... Perfectos et perfectos, quoi. Genre, je suis trop content, tu vois. Moi, je suis en mode, là, c'est ce qu'il me faut. Ah, moi, je suis... dites-moi vos cadeaux dans le chat, là. Bref, les gars, s'il y en a qui veulent savoir le débat, etc., venez me suivre sur Twitch. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Un maximum de pouces bleus, d'abonnements. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, retrouvez-moi sur Twitch, les gars, parce que YouTube, là, c'est rincé. Venez sur Twitch, là, dans la description.